Aujourd'hui, on est en train d'essayer de moderniser l'ensemble AG OpenGPS qu'on a dans le tracteur. Donc ça, c'est le boîtier. La PCB est au fond, le petit nano là. Ça, c'est le relais pour le moteur. Ça, c'est le driver du moteur, le citron. Là, on a l'hub USB. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de faire un montage panda. Et donc le montage panda, ça peut ressembler à ça. C'est un truc filaire, un peu dans son jus. Hein. Donc ici, on a le CMPS14. Là-dessous, intégré, on a la petite carte Tensi. Et là au-dessus, on a la carte Arduino simple F9P qui reçoit, elle, les signaux GPS. Donc, et puis là, j'ai trouvé ça sur internet. Je me suis fabriqué à la base une petite boîte IMU CMPS14 que j'avais trouvé sur internet, un fichier STL. J'ai imprimé ça en 3D. On va essayer de ranger tout ça là-dedans. Normalement, ça y va. Et puis, moi je suis branché en USB. Donc, ici, je pars de ma tablette. J'arrive au petit hub USB qui est là-dedans. Et de là, il y a une dérivation ici qui va vers le nano. Et une autre ici qui, elle, va courir dans le tracteur. Non, c'est pas ce fil-là. Ça commence à être le brun là-dedans. Donc, il va courir dans le tracteur et qui va aller nous rejoindre jusqu'au petit module Tensi qui est là-dessous. Tensi 4.1 pour info. Donc, ici j'ai l'antenne, donc on va faire un petit test à blanc. Donc ici j'ai l'antenne, on va brancher l'antenne. On va voir déjà si ça fonctionne, parce que, à vrai dire, j'ai beaucoup galéré à l'installer, ce truc. J'avais pas le bon programme, j'avais pas paramétré ma carte comme il fallait. Et heureusement, Benoît m'a aidé. Merci à Benoît, je sais pas s'il regardera la vidéo, mais merci mille fois à lui. Bon, faut savoir que quand il me donne des conseils, je les écoute pas. Et puis finalement, je me rends à l'évidence qu'il a raison. Bon, bref, je ne vais pas lui avouer. Donc là, je vais brancher mon petit ordinateur, ma petite carte contrôleur Tensi. Hop. Voilà, donc là, c'est branché, ça s'allume. On va aussi brancher AG OpenGPS. Ah ben là, j'ai déjà des communications. Alors, le GPS, il est ici. Hop, on le met en route. Donc là, on voit que ça communique. Et puis le steer, donc l'autoguidage. Normalement, ça doit être ce port-là. On va essayer ça comme ça. Voilà, là, c'est vert, on est bien. Donc là, le RTK, on capte pas encore. Donc, une trip, tout. Alors, le petit module Panda, on va le mettre ici. Ça va pas être trop mal, je pense. Et puis, les fils vont passer là. J'ai tout rebranché. Je vais mettre l'antenne. Je vais mettre ça en route. Je vais remettre l'antenne. Enfin, il n'y a plus qu'à installer l'antenne. Et puis, je veux vérifier les ports. Voir si tout va bien. Ça démarre. Alors, le code confidentiel. Déjà, on va regarder un truc, c'est la luminosité. Comme je sais pas où c'est, je vais la taper comme ça. Modifier le lumière. C'est ici. Hop là. Waouh. Jour. On y va un peu plus. Hein. Hop.
On va lancer ça, on va voir si tout fonctionne. Et je vais installer l'antenne. Donc du coup, eh bien on va la mettre. J'ai deux ports, donc ça c'est bon. Le Bootcom 7, il me dit que c'est sûrement le GPS. Donc ça c'est bon. Donc on va le mettre en com 7. Clac. Et celui-là, il va me dire c'est le com 4. Donc ça, comme il a, voilà, ouais, bien nous là sur le toit, je suis en train de regarder pour positionner l'antenne du coup sur le toit, je préfère, avec le panda normalement on peut, des coins-coins, une fatigue, donc du coup j'ai ouvert le demi-toit, et puis je regarde pour passer l'antenne, à passer le fil là-dedans, et je regrette surtout c'est de ne pas abîmer le fil de l'antenne. Voilà, apparemment j'ai un joint, donc ça devrait passer crème quoi. Là je prends évidemment la mesure entre mes deux vis, j'ai 90. Et ça, 90. Donc il faut que mon antenne, je vais la mettre au milieu à 45. Là, je la décale un petit chouïa. Voilà, je vais l'ajuster à 45. Ouais, voilà une petite astuce, regardez, je me suis fabriqué cette pièce. Donc c'est un bout de fil de fer. Et puis donc ça c'est un passe-fil en fait. Donc tu passes le fil, enfin tu mets la machine là, hop, passe le fil là-dedans, plusieurs fois, hop, bah du moins j'y arrive pas, enfin bref, puis à la fin c'est croché et puis tu peux tirer dessus. Là tu vois, il est passé là-dedans, c'est le chrome, et là, du coup je peux tirer dessus, ça va le faire. Alors faut pas tirer trop fort parce que c'est un peu la prise qui subit le truc, mais enfin c'est un fil, hein, donc c'est un petit fil, on va pas accrocher le tracteur dessus pour tirer. Hein. Bon alors là j'ai rouvert la boîte, j'ai vérifié les connexions, tout est ok. Donc du coup là j'ai monté l'antenne aussi. Tout est bien calé, tout est bien machin, je vais la refermer et puis je vais mettre un petit peu de une petite pointe de mastic silicone ici pour éviter que la poussière rentre dedans. Ouais, moi j'essaye de déposer une très fine couche de film, pas de joint, silicone, pour pas que ça dégueule, ça sert à rien. Et en même temps, si le jour où je veux le rouvrir, pas qu'il soit trop collé non plus. Et bon, il n'y a pas d'huile là-dedans, ça va pas fuir. Allez, je continue. Eh bien, voilà notre petit boîtier IMU GPS installé avec le petit montage panda qui va bien. On a caché les fils. J'ai caché les fils un peu partout. J'ai refermé la boîte. Tout fonctionne. Il n'y a plus qu'à peaufiner un petit peu les réglages. J'ai pas trop eu le temps. Ouais, évidemment, j'enlève la tablette. Hein. Je la laisse pas dans le tracteur, c'est pas la peine de tenter le diable. Donc bah pour l'instant c'est fini. Il n'y a plus qu'à peaufiner un petit peu les réglages et ce sera ok. Donc je vous dis à bientôt. Salut !